Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre chaîne éducative TopMath AWE. Nous allons attaquer bien sûr le tuto numéro 3, donc toujours les astuces et techniques de construire bien sûr des formes géométriques de base. Dans ce tuto, on va voir comment construire une sphère, une cône, un tétraèdre et un cylindre. Donc commençons par une sphère. Une faute qu'on fait souvent, bien sûr, lorsqu'on veut représenter une sphère sur un plan, on la construit sous forme d'un cercle, alors qu'un savant, bien sûr, allemand, a démontré que la projection d'une sphère sur un plan a toujours, bien sûr, une forme d'une ellipse, autrement dit, la forme d'un œuf. Donc, ce n'est pas la forme d'un cercle, donc c'est ce qu'on va voir. Donc elle a la forme d'un œuf, c'est-à-dire une ellipse. Voilà, c'est ça la forme correcte. Maintenant, il nous reste à déterminer bien sûr un petit arc et son opposé pour bien sûr mettre en évidence l'aspect 3 dimensions dans l'espace. Donc je vais prendre, on va choisir voilà, et comme ce dernier arc il est dans l'arrière-plan, c'est-à-dire il est invisible, donc doit être représenté en pointillé. Donc je vais le représenter en pointillé. Donc c'est la technique, bien sûr, comment représenter ou bien construire une sphère dans le plan et dans l'espace. Maintenant, on va attaquer bien sûr la construction d'un cylindre. Donc il suffit de construire deux segments parallèles. Donc deux segments. Donc je vais éliminer la partie supérieure et inférieure, bien sûr. La même chose. Et de joindre ces deux segments par un petit arc. Un petit arc. Voilà, la même chose dans la partie supérieure. Donc c'est ça la technique de la construction d'un cylindre. Cet arc il est invisible puisqu'il est dans l'arrière-plan. À l'intérieur du cylindre, doit être représenté en pointillé et non pas avec un trait plein. Voilà, donc c'est la technique de la représentation d'un cylindre droit. Maintenant une cône, donc pour une cône, soit une cône bien sûr supérieure ou bien, c'est-à-dire dirigée vers le haut ou bien dirigée vers le bas. Donc je dois joindre avec un petit arc. Donc j'essaie de prendre le crayon. Voilà. Ça ressemble exactement à une cornée de glace. La même chose si on veut la tracer, bien sûr, dirigée vers le bas. Maintenant, il nous reste le tétraèdre. Pourquoi l'appelle-t-on tétraèdre? Il contient, bien sûr, quatre faces. Tétra, 4. Donc, la technique, elle est aussi simple. Donc, on commence par construire deux segments. C'est le début du traçage d'un triangle. Voilà.
Et un troisième qui est plus long que les deux autres, c'est-à-dire il a une distance supérieure aux deux autres. Et joindre bien sûr les sommets de ces trois segments. Et aussi joindre ces sommets. Puisque ce segment, bien sûr, à l'intérieur, il est invisible, donc doit être représenté à pointillés, la même chose. Voilà, donc la technique elle est simple. Donc on a terminé bien sûr cette leçon qui est très importante, surtout pour les élèves bien sûr qui ont dans leur programme la géométrie dans l'espace. Donc on se verra pour d'autres leçons. Soyez au rendez-vous bien sûr et activez la petite clochette pour être prévenu de toute nouveauté bien sûr de la chaîne. Et abonnez-vous et partagez s'il vous plaît et merci infiniment.